Bonjour les enfants, c'est Alex. Nous sommes en Angleterre en 1377 et le roi Édouard III vient de mourir. Oui, je commence comme ça, mais aujourd'hui j'ai pas le temps. À sa mort, la loi veut que le trône ait à son fils le plus âgé, Édouard. Mais malheureusement, il est mort avant son père. Édouard décide que Richard, le fils d'Édouard, sera son successeur. Le trône passe alors une génération entière. Ce qui ennuie bien ses trois autres fils encore en vie, Edmond, duc d'York, Jean, duc de Lancastre, et Thomas, duc de Gloucester. Richard est alors couronné Richard II, mais il n'est qu'un enfant et gère plutôt mal le royaume. Il se met à dos la plupart des lords anglais, et surtout Henry Bolingbroke, le fils de Jean de Lancastre, et donc son cousin. Et vu qu'en Angleterre on ne peut pas faire confiance à sa famille, Henry le dépose et devient roi à son tour. Voici le prélude d'une période de guerre civile pour l'Angleterre, faite de manipulations, de trahisons et de batailles épiques. Une période qui a fortement inspiré ce bonhomme pour son roman Game of Thrones. Vous l'avez compris et probablement lu dans le titre, aujourd'hui, on parle de la guerre des deux roses. Suite à la prise de pouvoir de Henry, les rois Lancastre se succèdent pendant 30 ans. Henry Bolingbroke, maintenant Henri IV, et puis Henri V, et enfin, en 1422, Henri VI. C'est avec lui que tout va commencer. Lorsqu'il est nommé roi, Henri VI n'avait que un an, et le royaume est alors dirigé par un groupe de régents. Mais lorsqu'il vient en âge de régner, Henri VI n'est pas spécialement un bon roi. Il est certes pieux, mais il est timide, indécis, mais surtout, il est facilement manipulable. On peut dire que c'est le même type de roi que Tommen. Lors de son couronnement, l'Angleterre était en pleine guerre de 100 ans. Et on peut dire que ses prédécesseurs avaient plutôt bien géré le merdier. A tel point que tout le monde considérait que la guerre était déjà gagnée pour les Anglais. Sauf que Henry n'est pas un grand stratège. C'est même pas un petit stratège d'ailleurs. Parce que le fait est qu'il se fait rouler dessus, il perd bataille sur bataille, et la plupart de ses territoires en France. Il essaye alors de mettre fin au conflit en épousant la nièce du roi de France, Marguerite d'Anjou, une femme ambitieuse et douée en intrigues politiques. Rapidement, elle arrive à exercer une énorme influence sur Henri, à tel point qu'à l'époque, on considérait que dans les coulisses, ce n'était pas le roi qui prenait les décisions, mais la reine. Et comble de la malchance pour Henri, cela ne suffit pas et le conflit reprit de plus belle avec la France. Il perd encore de nombreux territoires, mais ce qui marquera le plus Henri, c'est la chute de Bordeaux. Il sera tellement choqué par la nouvelle qu'il fera une crise de folie. Les crises de folie d'Henri sont une espèce de schizophrénie où il est dans son monde et le reste ne l'atteint pas. Pour vous donner une idée, c'est un peu comme un ado sur son portable. Sauf que ça peut durer des années. Henri est alors incapable de diriger le pays et ses conseillers cherchent un régent. Il décide d'appeler Richard d'York, un descendant de Edmond, pour être nommé Lord Protecteur du Royaume. Un espèce de premier ministre médiéval, si vous voulez. Richard comprend rapidement l'influence que Marguerite a sur Henri, et décide de l'écarter du conseil de régence. Il faut aussi emprisonner le duc de Somerset, qui était justement l'un des alliés de Marguerite. Oui, à l'époque, la politique, ça ne rigolait pas. Et il en profite aussi pour nommer Richard Neville, comte de Warwick, l'un de ses fidèles amis, comme commandant de Calais, l'endroit où est stationnée la plus grosse armée d'Angleterre. Ce qui est toujours pratique. Un an plus tard, Henri récupère ses esprits. Marguerite le manipule et arrive à envoyer York régler des problèmes en Irlande, et ainsi le maintenir loin de la cour. Le pouvoir royal revient alors dans les mains de Marguerite. Elle fait libérer Somerset, le nomme Lord Protecteur à la place de York, et fait venir un autre Lancastre, le duc de Suffolk, pour l'aider à gérer le pays. Le problème, c'est que Somerset et Suffolk sont deux branquignoles, et leurs conseils ne valent rien. Ils gèrent mal le royaume, et ils gèrent mal aussi le conflit en France. Tellement qu'ils finissent par perdre la guerre de 100 ans. Ce qui, étonnamment, énerve pas mal les nobles anglais, qui leur font de moins en moins confiance. Après tout, Marguerite est française, elle pourrait faire exprès de perdre pour favoriser son oncle. Ils sont tellement énervés qu'ils vont jusqu'à forcer Suffolk à l'exil, en pensant qu'il était de mèche avec les Français. Et lors de son départ en exil, son bateau est arrêté par un lord anglais plus énervé que la moyenne, qui le fait décapiter sur le champ. Alors la politique, ça ne rigolait pas, mais ça devait être plus divertissant que maintenant. Je dis ça... Bon, j'en étais où, moi? Ah oui. York sent alors le vent tourner. Il décide de partir à Londres avec une armée et demande à ce que Suffolk soit emprisonné et qu'il soit renommé Lord Protecteur du Royaume. Mais Marguerite ne l'entend pas de cette oreille.
elle forme une grande armée et marche directement vers les Yorkistes. La rencontre se fait à Saint-Alban. La bataille est une énorme victoire pour York, ce Folk est même tué. Et mieux encore, Henri VI s'est trouvé seul, assis dans sa tente, et pris d'une nouvelle crise de folie. Oui, il va en faire souvent des crises de folie. Et puisque le roi est malade, York est renommé Lord Protecteur du royaume, Marguerite est une nouvelle fois éloignée de la cour. Cette fois-ci, lorsque Henri récupère ses esprits, York reste Lord Protecteur. Il dirige bien le royaume et passe de nombreux décrets. Mais il fait l'erreur de se proposer comme héritier temporaire à la place de Édouard, car ce n'est qu'un enfant, et les enfants faisaient rarement de bons dirigeants. Ce qui déplut énormément à Marguerite, qui décide que cette situation ne pouvait plus durer, et commence à conspirer contre York. York doit retourner en Irlande pour régler des problèmes. Et Marguerite en profite pour donner le titre de Lord Protecteur au nouveau duc de Somerset, le fils de l'ancien duc de Somerset. À deux, ils en profitent pour annuler tous les décrets de Richard, bon, comme ça, comme si rien n'était. Henri, qui ne voulait pas de cette guerre entre Yorkistes et Lancastriens, essaye de faire la paix entre les deux camps. Mais ce Folk s'amusa à tendre des embuscades à York et Warwick pour essayer de les tuer. Ce filou. Ce qui, étonnamment, ne calmait pas les tensions entre les deux camps. Étonnamment. Un an plus tard, York retente sa chance. Il retourne en Angleterre avec une armée pour chasser les mauvais conseillers du roi. Les deux armées se retrouvent à Ludford Bridge. Et malgré la défaite de Saint-Alban, l'armée lancastrienne était encore très grande. Plus ou moins deux fois plus que celle des Yorkistes quand même. Les deux armées décident de passer la nuit et de se battre au petit matin. Mais voici Andrew Trollope, ce qui en français veut littéralement dire André Catin. Et sérieusement, qui ferait confiance à quelqu'un qui s'appelle André Catin? Eh ben vous auriez raison de ne pas lui faire confiance. Car pendant la nuit, André décide de changer de camp avec ses 600 hommes et avec le plan de bataille des Yorkistes. Oui, c'était un bon gros traître. Et lorsqu'il s'en aperçoit, York comprend qu'il n'a plus aucune chance de gagner, et décide de s'enfuir avec ses généraux et laisse son armée plantée là. Et le lendemain, sans personne pour le commander, bah l'entièreté de l'armée yorkiste rend. C'est une énorme défaite pour York, qui voit quasiment toutes ses chances de récupérer son titre de Lord Protecteur s'envoler. Marguerite et les Lancastres décident de fêter leur victoire en essayant de chasser les derniers alliés de York en Angleterre. Mais York reste encore très populaire, bien plus que Marguerite. Elle essaye de nommer le comte de Wiltshire comme lieutenant d'Irlande et le duc de Somerset comme commandant de Calais. Mais le parlement irlandais reste fidèle à Richard York et Warwick refuse de se rendre. C'est la merde. Oui, mais c'est pas tout. Regarde, Warwick lance une invasion dans le Kent. Les troupes lancastriennes décident de lui barrer la route à Northampton. Warwick envoie des émissaires pour parler au roi. Mais le chef des troupes lancastres répond que le comte de Warwick ne parlera pas au roi, ou il mourra. Warwick, qui n'avait que peu de chances de gagner la bataille avec sa petite armée, enfile ses lunettes de soleil et lui répond « À 2 heures, je parlerai au roi, ou je mourrai. » À 2 heures, les troupes de Warwick avancent. Elles avancent sous une pluie battante et sous une pluie de flèches. Mais cette fois-ci, c'est au tour de Lancastre de se faire trahir. Le flanc droit laisse passer les Yorkistes, qui arrivent aisément jusqu'au camp du roi. Les Lancastres n'arrivent pas à manœuvrer, et en 30 minutes, la bataille est pliée. Une nouvelle fois, le roi tombe entre les mains des Yorkistes, et devinez ce qu'il fait. Devinez. Il refait une crise de folie. Une fois tout le travail fait, Richard revient en Angleterre. Les succès militaires des Yorkistes sont tellement grands que York décide de revendiquer la couronne. Lors d'une session du Parlement, il s'assied sur le trône du roi, ce qui choque absolument tout le monde. Après tout, ils étaient juste censés chasser les mauvais conseillers, et pas renverser le roi. Le lendemain, York, qui était probablement vexé, décide de ramener son arbre généalogique. Il démontre ainsi qu'il est plus légitime que Henri IV, car il descend de Lionel d'Anvers par sa mère, et que, sans la prise de pouvoir de Henri Bolingbroke, c'est lui qui aurait dû être roi. Le Parlement, devant ses bons arguments, décide de faire un vote pour savoir si oui ou non ils allaient destituer Henri. Le vote est serré, mais la destitution ne passe pas, à 5 voix près. À la place, il décide de redonner le titre de Lord Protecteur à York et de le nommer lui et ses enfants comme successeur de Henri, ce qui déshérite Édouard, le fils de Marguerite et Henri. Ce qui, bien entendu, énerve Marguerite. Cet accord est aussi inacceptable pour les Lancastres, qui décident de rallier Marguerite et de réunir leur armée dans le nord.
Richard décide d'en finir une bonne fois pour toutes avec les Lancastres et part pour le nord avec Edmond, son fils cadet. Et il tombe dans un piège et perd la bataille contre ce bon vieux André Catin. Richard et son fils sont tués lors de la bataille, et leurs têtes sont posées sur des pics à la porte de York. La ville, pas le duc. La mort de Richard sème le trouble dans les camps de Yorkistes. Mais la relève est prise par Édouard, le premier fils de York, qui a seulement 18 ans. En plus, Warwick, qui était l'héritier de Salisbury, qui est mort lui aussi avec Richard, devient le plus grand propriétaire foncier d'Angleterre. Autant vous dire qu'il pesait dans le game de la possession foncière. De quoi ? Il était riche, quoi. Ah. Marguerite décide alors de demander de l'aide aux Écossais, alliés historiques de la France. Ceux-ci acceptent de lui prêter une armée en échange de la ville de Berwick, et que la fille de la reine d'Écosse soit mariée au prince Édouard. Marguerite accepte et se retrouve maintenant avec une énorme armée. Et pendant ce temps, Édouard détruit l'armée de Jasper Tudor, un des principaux seigneurs Lancastre. Alors rappelez-vous de lui parce que là comme ça il a pas l'air très important, mais je vais en reparler. Marguerite s'empresse alors de marcher vers le sud avec son énorme armée. Mais malheureusement, elle n'a pas le sou pour les payer. Elle les autorise donc à piller les endroits où ils passent, ce qui étonnamment ne plaît pas vraiment au peuple. Warwick en profite pour monter les gens contre Marguerite et créer ainsi une autre armée. Mais les Lancastriens marchent trop vite et Warwick n'a pas le temps de créer une grosse armée capable de les affronter. Ils se rencontrent encore une fois à Saint-Alban, mais cette fois-ci, ce sont les Lancastriens qui prennent le dessus. Et encore une fois, les Lancastriens retrouvent le roi après la bataille, mais cette fois-ci pas dans sa tente, sous un arbre. Alors je sais pas c'est quoi cette manie de ramener les rois à chaque bataille, mais ça devait probablement se passer comme ça. Les ennemis arrivent, nous devons livrer bataille. Ok, on prend le roi avec nous. Bon, ça lui fera une balade, je suis sûr que ça lui plairait. Ça te plairait? Nickel, on fait comme ça. À l'époque, capturer un noble adverse était un grand privilège. C'était déjà grave la classe, et en plus, on pouvait les rançonner. C'est-à-dire qu'on pouvait les rendre leur liberté contre de l'argent. Et les chevaliers yorkistes chargés de protéger le roi n'ont pas fui et sont maintenant prisonniers des Lancastres. Ce qui est une bonne nouvelle pour Marguerite qui manque justement de sous. Elle demande à son fils Édouard, qui était apparemment cruel, ce qu'il pourrait en faire. On pourrait les décapiter. Nice. Marguerite se tourne alors vers Londres, mais les citadins, effrayés de ces pillages, refusent de lui ouvrir la porte. Elle se voit alors forcée, pour payer son armée, à piller les comtés environnants. Ce qui fait passer la population de plus en plus du côté yorkiste. Et pendant que les Lancastriens pillent le sud, Édouard joint ses forces à celles de Warwick et marche vers Londres. Les Lancastres décident de ne pas livrer bataille et partent vers le nord. Édouard est accueilli par les Londoniens comme un véritable roi. Il décide que son combat ne serait plus de chasser les mauvais conseillers du roi Henri VI, mais de devenir roi lui-même. Il est couronné non officiellement à l'abbaye de Westminster, au milieu des Londoniens en liesse. Et l'Angleterre se retrouve maintenant avec deux rois.